Bíblia diz? Bible says. Alors la Bible dit, au verset 4, Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Quand il allait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée de ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. And Peter said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here if thou wilt. Let us make here three tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed him, and behold, a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. Amen. Prions. Let's pray. Béni sois-tu, ton Père Céleste. Merci pour ce moment merveilleux. Merci, Seigneur, pour ce glorieux message, Père, qui est venu, Père, pour nous révéler ce qui a été dans ta pensée. Et Seigneur, nous te remercions pour la venue de la nuée, Seigneur, dont la science a pris la photo, Père. Ils ont essayé de définir ça comme ils veulent, Seigneur, et cela a été prédit par ton prophète un an avant le jour. Voilà pourquoi, Seigneur, en tant qu'épouse, les hommes qui ont les yeux ouverts à voir ce que Dieu a accompli dans ces tâches, nous voulons se prier pour te dire merci. Et nous avons entré, Saint-Père, Père, bénis chacun de nous, Père bien-aimé, bénis la lecture de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse pour deux soirs. Alors, comme je l'ai dit, qu'aujourd'hui nous allons parler de. As I said today, we're going to speak of. Of the cloud. We're going to speak of the cloud of glory. Alors dans le livre de Matthieu, in the book of Matthew, nous voyons que we can see that in the book of Matthew, nous voyons la descente de la nuée. We can see the coming of the cloud. Et dans cette descente de la nuée, and in this coming of the cloud, nous voyons le Seigneur Jésus Christ. We can see the Lord Jesus Christ, qui se tenait là avec Élie et Moïse. Who stood there with Elijah and Moses. Et lorsque les disciples ont voulu, and when the disciples wanted, n'est-ce pas, construire trois tentes, to build three tabernacles. La voix est sortie de la nuée. A voice came out from the cloud. Et dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. And says, this is my beloved son. Écoutez-le. Listen to him. Alors aujourd'hui, and today, il y a une nuée qui est descendue. There's a cloud that came down. Le 28 février. On the 28th of February. 1963. In 1963. Certes, il y a eu tellement de polémiques sur la date. There is so many people talking about the date. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne s'agit pas de la date. I always say it's not about the date. Il s'agit plutôt. It's about de la signification de la nuée même. Of the meaning of the cloud itself. Ça peut descendre le 28 février. It can come down on the 28th of February. Ça peut descendre le 4 mars. Or the 4th of March. Peu importe la date. No matter what date it was. Mais le problème c'est que. But the problem is. Est-ce que les gens ont compris pourquoi est-ce que la nuée est venue? As people understood why the cloud came. Est-ce que les gens ont compris la signification de cette nuée? Do they know the meaning of the cloud? Ça c'est le problème. That's the problem. Mais Dieu nous a envoyé un prophète. God has sent us a prophet. Qui est venu nous montrer. Who came to show us. Ce qui était dans la pensée de Dieu. What was in the mind of God. Et à
en voyant la descente de la nuée, and by seeing the coming of the cloud, le seul endroit, the only place, où le meilleur endroit, je peux dire, or the best place, I can say, où on peut trouver la nuée dans la Bible, where we can find the cloud in the Bible, c'est dans Matthieu 17. In Matthew 17. Avant de comprendre la nuée qui descend, before understanding the coming of that cloud, on doit d'abord we have to catch la signification de la nuée qui est descendue dans Matthieu 17. The meaning of the coming of the cloud in Matthew 17. Et le frère Bonhomme a étudié ce passage. And Barbana used this chapter, these verses, pour prêcher l'adoption. To preach about the adoption. Le frère Bonhomme dit que dans Matthieu 17, Barbana said in Matthew 17, c'est Dieu qui a adopté son fils Jésus. It was Jesus adopting his son. God adopting his son Jesus. Parce que quand Jésus était né, when Jesus was born, il était un homme comme tout autre. He was a man like everyone. Il devait écouter la parole comme tout le monde. He had to listen to the word as everyone. Mais il était venu dans un but. But he came in with a purpose. Mais ce but a été confirmé le jour de la descente. And that purpose was confirmed when the cloud came down. Amen. Amen. Et devant lui, and before him, il y avait Pierre, there was Jacques, there was et Jean. Peter, James, Peter and John. Ils étaient tous devant lui. They were three of them in front of him. Et le frère Branham nous dit que, and Brother Branham said this, que les trois disciples représentaient les 144,000. The three disciples represented the 144,000. Et à côté de Jésus, il y avait Élie et Moïse. And around Jesus, there were Elijah and Moses. Et nous savons que Élie et Moïse, c'est eux qui devaient appeler Israël. And we know that Elijah and Moses are the one that was supposed to call Israel. Et Dieu ne travaille pas avec deux peuples à la fois. God doesn't work with two people at the same time. Quand vous voyez l'apparition de Élie et de Moïse, when you see the coming of Elijah and Moses, et la présence de 144,000, and the 144,000. Alors, cela devait, that was, cela devait nous interpeller. That was supposed to bring awaken us. Et on devait penser, est-ce que le temps des gentils n'est-il pas passé? We have to thought, is the age of gentle, is it not past? Amen. Amen. Parce que la descente de la nuée, c'était presque à la fin du ministère de Jésus. The coming of the cloud was at the end of the ministry of Jesus. Et nous voyons la construction du temple dans 2 Chroniques 5. And we see the temple in 2 Chronicles. Après la construction du temple de Salomon, after building the temple of Solomon, pour la dédicace à la nuée qui est descendue, for the dedication of the coming of the cloud. Donc cette nuée a une grande signification. And that this cloud has a great meaning. Je pense que beaucoup de gens dans les messages ont manqué la chose. I believe many people in this message have forgotten, missed a lot of things. Beaucoup de gens ont pris la photo, ils ont mis dans leurs églises. Many people took the picture and put in their churches. Mais sans pour autant étudier, without studying, la raison de la venue de cette, the coming, the reason of the coming of this cloud. Et la science a critiqué. And people start criticizing. La science a critiqué. Science has criticized it. Ils ont dit que non, c'était simplement les États-Unis qui étaient en train de and they say it's only that, if they say it's only United States, they've tried to, they were trying them, the missiles. Et les autres ont dit que c'était simplement un nuage. And people are saying it was just a normal cloud. Amen. Amen. Mais le frère Branham avait vu la vision avant la compréhension. But Branham saw the vision before the fulfillment. Alors si cela n'est pas if it's not Jesus or the coming of the cloud coming now. Mais comment est-ce que le frère Branham pouvait parler de ça dans Monsieur Kennedy en 1960? How can Brother Branham speak of it in the message or say what time is it about dans, en 1962? In 1962. Comment est-ce que cela pouvait être identique à l'accomplissement? How can it be exactly to the fulfillment? Alors, les gens ont douté de cela. So people doubted. Et les gens qui sont venus même dans les messages. And people that came in, even people that came in. Au lieu d'essayer d'étudier la signification ou l'importance de la venue de cette nuée, instead of studying the meaning of the coming of the cloud, ils sont passés à autre chose. They went to other things.
Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir la nuée. And today we will see the cloud. Selon le frère Branham. According to Brother Branham. Et pourquoi j'ai titré mon sermon la lecture sur la nuée de gloire. That's why I titled my sermon the study on the cloud of glory. L'étude sur la nuée de gloire. The cloud of glory. Concernant la date de la nuée d'abord. About the date of the cloud. Il y a des frères aux États-Unis. There are brothers in the United States. Qui ont quitté le message. They left the message. Ils ont dit que le jour de la descente de la nuée de frère Branham n'était pas. They said the day of the coming of the cloud of Branham was in there. Parce que le jour où la nuée est descendue. Because the day the cloud came down. C'était pas la saison de la chasse. It was in the season of hunting. Hunting season. Alors ils se sont dit voilà donc c'est que le frère Branham a menti. So they say the Branham lied. Amen. Amen. Et c'était une raison pour eux de quitter le message. That was the reason for them to give the message. Donc cela veut dire que. That means. Si on ne maîtrise pas la durée. If you don't understand the cloud, we will leave the message. Amen. Amen. Les autres ont dit que oui le frère Branham. Pour que le frère Branham soit là. Some people say for Brother Branham to be there. Ça doit être la saison de la de chasse. It has to be the season, the hunting season. Alors comme as la saison de chasse c'est au mois de mars. This the hunting season was in March. Is in March. Alors le frère Branham devait être là au mois de mars. So Brother Branham had to be there in the month of March. Alors c'est que la nuée est descendue. That's le mean, de mars. That means the cloud came on the 4th of March. Amen. Et nous allons voir ce que le frère Branham. And we're going to see what Brother Branham dans la prédication, debout de la prêche. In the message, standing in the bridge. Paragraph 83. Paragraph 83. Le frère Branham dit ceci. Brother Branham said this. Mais vous avez peut-être remarqué que dans le songe de Fred Jackson. But you have noticed in the dream of Brother Jackson. Il n'y avait pas d'inscription à l'intérieur du rocher. There were no written inside the rock. Le frère Branham parlait du songe de Fred Gino Jackson. Probably speaking of the dreams of Brother Gino Jackson. Oh, où il avait vu une montagne en forme de pyramide. Where he saw a mountain in the form of pyramid. Et au sommet de la pyramide, au sommet, le frère Branham a coupé le sommet de la pyramide. And Brother Branham cut the head. The top of the pyramid. Et à l'intérieur, il y avait des pierres qui n'étaient pas interprétées. And inside, there were stones that were not translated. Et le frère Branham a commencé à interpréter. And Brother Branham started translating. Ça, c'est les songes de Gino Jackson. That's the dream of Gino Jackson. Frère Branham continue. Brother Branham is continuing. C'est pour cela que je suis parti pour l'Ouest. That's why I went to West. Je vous avais dit un jour. I told you one day. Que je vous dirai ce que cela signifie. That I will tell you what the meaning of it. Là, le frère Branham avait expliqué les songes de Gino Jackson. Now, there, Brother Branham wants to explain the dreams of Gino Jackson. C'était quoi les pierres qui devaient être interprétées? What was the stone that had to be translated? Amen. Amen. Il dit. He said. C'est pour cela que j'allais dans l'Ouest. That's why I went to the West. Tous ceux qui écoutent les bandes ou qui sont ici savent que j'ai rencontré cela dans la prédication intitulée Monsieur, quel est-il? Everyone that listens to the text or those who are here know that I spoke about it in the message, say what time is it? Et vous, chers amis qui écoutez ces bandes, and you friends who are listening to this text, et qui ne connaissez que cela, that knew about this. Écoutez la bande intitulée Monsieur, quelle heure est-il? Listen to the tape, sir, what time it is. Des semaines et même des mois avant que cela n'arrive. Weeks, even months before that happening. J'ai eu cette vision. I had seven visions. Qui me montrait que j'étais à Tucson. That showed me I was in Tucson. Amen. Amen. Donc le frère Branham avait déjà vu cette vision. Brother Branham saw seven visions. Quelques mois avant. Months before. Parce qu'il a prêché Monsieur quelle heure est-il en décembre 1962. Because he preached, sir, what time is it in December 1962. Et la nuée est descendue en 63, le 28 février. And the cloud came in February 1963. Donc, à peu près deux mois et demi. About 2 months and a half. Cela a été prédit. That was prédit, was foretold. Mais je ne pense pas que si cela n'était pas la vérité, le frère Branham allait prédire ça. I don't think if that was the truth, Brother Branham would have predicted it. Amen. Amen. Et il dit ceci. And he said this. J'ai eu cette vision.
vision qui me montrait que j'étais à Tucson. I received seven visions that showed me that I was in Tucson. Ou plutôt au nord de Tucson. Or the north of Tucson. À l'est de Flagstaff. In the east of Flagstaff. Que j'étais en train d'enlever les graines accrochées à mon pantalon. That I was removing the grains that was attached on my trouser. Et que tout à coup il se leva une bourrasque qui me semblait réellement assez. And suddenly it came that something that according catching or something. Puissante pour secouer toute la région. So powerful to shake the whole region. Combien se souviennent de cela? How many remember that? C'est une bourrasque qui secouait tous les pays. It shake, it's like a earthquake that shake the whole country. Voilà. Les frères Branham est en train de prédire maintenant. Branham is predicting here. La vision, il est en train de montrer la vision qu'il avait eue avant l'accomplissement de la nuée. He showed the vision that he had before the coming of the cloud. Et il continue de dire. And he continues saying. Je ne savais pas en ces temps-là qu'on avait pris des photos. I didn't know at that time they took pictures. Des savants avaient pris des photos alors que les anges descendaient du ciel pour apporter les messages. The people of science took pictures while the angels were coming down to giving the message. Amen. Amen. Qui avait pris la photo? Who took the picture? Les hommes de la science. The science people. Donc c'est eux qui connaissent la date. They are the one who knows the date. Amen. Amen. Et si la date-là n'était pas conforme par rapport à la publication, if the date was not according to the publishment, le frère Branham allait contredire ça. Brother Branham would have contradicted. Mais le frère Branham lui-même a gardé le journal. But Brother Branham kept the journal. Le journal Look Alive. The journal Look Alive. Et le journal Science. And the journal Science. Le frère Branham a gardé ça comme archive. Brother Branham kept them as archive. Et il a conseillé aux gens de les garder. And he told people to keep them. Comme archive. To keep them as archive. Archive. Okay. Et dans ces journaux-là, il y avait la date du 28 février. And in those journals, there were newspapers. There were the date of 28th of February. Yes. Alors, then, le frère Branham dit, Branham saying, vous vous rappelez aussi que j'avais parlé de l'ange qui était sur le côté droit de la constellation. Remember, I spoke about the angel that was in the right, left hand side of the constellation. Placé d'une certaine manière. Oh, placed in a certain way. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Do you remember it? Do you remember all of it? Et aussi comment je l'avais observé. And how I observed it. Il était très différent. He was very different from the others. Amen. Il y avait sept anges. There were seven angels. Et les sept anges. And the seven angels are the seven messengers of the seven churches. Parce qu'à la descente de la nuée, at the coming of the cloud, ce sont les sept messagers qui sont venus. It was the seven messengers that came. On avait parlé du livre de la rédemption. We spoke about the book of redemption. On avait montré avec les citations. We showed with scriptures que le livre de la rédemption, c'est le livre sérieux. That the book of redemption is the book. Series of seven seals. And when the books come down, there has to be everyone depuis Adam jusqu'à nos jours, from Adam to up to our days qui doit venir that has to come pour recevoir le livre. To receive the book. Parce qu'à Daniel, on avait dit, because in Daniel it says, seal ce que tu as vu, seal what you've seen, va te coucher avec tes pères, go and sleep with your elders, and you will come back for your heritage. Amen. Amen. Le frère Branham dit, Baba Ram saying, je ne savais pas qu'on avait pris les photos de cela. I didn't know they took pictures of it. Parce que j'étais parti immédiatement vers l'est. Because I went straight to the east. Mais en rentrant à Tucson, by coming back to Tucson, j'ai vu cela décrit dans tous les journaux. I saw it written in every newspaper. Comme étant un phénomène visible. As a visible thing. Phénomène. Dans presque tous les pays, in all over the country, jusqu'au Mexique et aux États de l'Ouest, up to Mexico and to the West. Et à
l'instant de cette nuée, and in the coming of that cloud, c'était tellement grand que tout le monde l'avait vu. It was so big that everyone saw it. Mais personne n'avait la réponse à la descente de cette nuée. But no one had the answer of the coming of the cloud. Tout le monde était en train d'étonner. Everyone was doubting. Mais le frère Branham nous dit, but Branham said, que lui était là. That he was there. Amen. Amen. L'avait continué. He's continuing. La nouvelle fut diffusée par l'association presse. He said the news was spread by the association of press. Combien ont vu ces mystérieux nuages dans le ciel? How many saw that mystery cloud in the cloud? Voyez toutes ces mains levées. See all his hands. Donc les gens ont montré leurs mains. So people showed their hands. Il dit le Life magazine l'a publié. He said Life magazine published it. Il dit j'ai l'article avec moi. He said, I have the article with me. Ce matin. This morning. Amen. Amen. Donc le frère Branham avait l'article avec lui. Branham had that article with him. Et là-dessus, c'est écrit le 28 février. And on top of it, it was written the 28th of February. Et le frère Branham n'a pas contredit ça. And Branham never contradicted it. Amen. Amen. Et les gens viennent pour dire que voilà, c'était pas le 28 février. People are coming to say it was on 28th of February. Là, maintenant, vous remettez en doute le message que vous croyez. There you are putting in doubt the message that you're believing. Amen. Amen. Parce qu'en cela, les gens diront, in that people will say, que le frère Branham a menti. Branham lied. Dieu est tellement merveilleux, God is so wonderful, qu'il a montré ça sous forme d'une vision. That he showed it in the form of vision. Nous avons les bandes qui ont été enregistrées. We have texts that have been recorded. Malheureusement pour les gens qui sont hors du message, people out of the message, eux ils n'avaient pas la bande de ce qu'elle est. They didn't have the tapes. Sir, what time is it? Parce que s'ils avaient vu leur bande et écouté la bande, if only they listened to that, ils n'avaient pas dit ça. They wouldn't say that. Et je suivais un frère. I was following a brother. Il est parti aux États-Unis. He went to the United States. À la montagne du soleil couchant. In the mountain of the sun, no, Santa Mountain. C'est un endroit privé. It's a private area. Pour entrer, to go in, il faut avoir accès. You have to have access to the owner. Maintenant, les propriétaires là, so that owner, que ce soit la saison, where, chasse ou pas, whether it's the season of hunting or not, c'est lui qui vous donne l'autorisation. Is the one who gives you authorization. Et le frère Branham était parti là pour chasser. And the frère Branham went to hunt les javelots, les sangliers. Les sangliers, ce sont les cochons. Ah, those are pigs. Those are Wild pig. Yeah. Il était chassé ça. He went to hunt for it. Et vous savez, ces cochons-là, quand ils se multiplient beaucoup, and when those pigs are multiplied, ils amènent aussi la destruction. They bring destruction. Parfois, on va les chasser. Sometimes we have to hunt them. En plus grand nombre. In greater numbers. Parce qu'ils se produisent beaucoup. Because they multiply a lot. Un frère est parti là-bas. One brother went there. Il a posé la question au propriétaire. He asked the question to the owner. Il y avait un témoin qui était là. There was a witness there. Lui, il était depuis le temps de frère Branham. Who was there since the time of Brother Branham? Il a posé la question. He asked him. Est-ce que le frère Branham était là le jour? Brother Branham was there on that day. Le frère là, le monsieur lui dit. That man said. Oui, le 28 février, le frère Branham était là. He said yes on the 28th of February. Le monsieur n'est pas un message. That man is not a believer of the message. Amen. Amen. Il a dit que le 28 février, le frère Branham était là. He said on the 28th of February, Brother Branham was there. De la descente de on that day of the coming of the cloud. Listen to Brother Branham. Il dit, j'ai l'article avec moi ce matin. I have that article with me this morning. C'est la même chose que j'ai vu là-bas. It's the same thing that I saw there. Vous voyez ce nuage en forme de pyramide? See that cloud in the form of a pyramid. Il dit, j'étais juste dessous. He said I was under it. Amen. Amen. Donc les jours de la descente de la nuée. On the day of the coming of the cloud. Le frère Branham était en dessous. Brother Branham was under it. Et quand cette nuée là descendit. And when that cloud came down. Le frère Branham était là. Brother Branham was there. Pourquoi? Why? Parce que cela a été prédit. Because that was predestined. Après la vision de Monsieur Kelly. After the vision of Sir Walter, is it? On lui a dit va à Tucson. They told him go to Tucson. Les sept sortes te seront révélées. The seventh seal will be revealed to you. Mais la promesse de frère Branham. But the promise of the Branham. Était que s'il reçoit une nouvelle révélation. He said if you receive a new revelation. Il est allé révéler à Jefferson. He will come to reveal it in Jefferson. Amen. Amen. Et voilà pourquoi le frère Branham devait attendre jusqu'à ce qu'il descende à Jefferson. That's why Brother Branham has been waiting until he comes to Jeffersonville. Et quand il est revenu à Jeffersonville. But when he came to Jeffersonville. Il a prêché ça. He preached it. Le frère Branham dit ceci. Brother Branham said this. Vous voyez cet ange distinct.
You see this angel distinct des autres sur le côté droit. Different to other on the right hand side. C'était le septième ange. It was the seventh angel. Amen. Amen. Donc le frère Branham a vu le septième ange. Brother Branham saw the seventh angel. Qui est le septième ange? Who is the seventh angel? C'est le frère Branham. It's Brother Branham. Amen. Amen. Donc le frère Branham a vu le frère Branham. Brother Branham saw the Brother Branham. Le faux Branham a vu le véritable Branham. The false Branham saw the true Branham. Et dans la nuée, il y avait sept anges. And in the cloud there were seven angels. Chaque ange est venu avec les gens de son âge. Every angel came with the people of the age. Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1. Because the Bible says in Revelation. Il est venu avec les nuées de gloire. He came with the clouds of glory. C'était plusieurs nuées. It was so many clouds. Il ne formait qu'une seule nuée. That made one cloud. Parce que la nuée. Because the cloud. C'était pas Jésus. It wasn't Jesus. Jésus était au milieu de la nuée. Jesus was in the middle of the cloud. Et ce qui formait sa perruque. And that was made there. His wig. It was his bride. It was he glorified Jesus. Jesus only glorified in his saints. Because the crown of a man is his wife. That's what Martin said. Get behind the Satan. You come before me with a crown. In the church ages, Jesus, our Jesus will be crowned at the end of the age. If you see Jesus crowned, that means the church age is already finished. Amen. Brother, many people miss the meaning of this cloud. When they receive the message, they ran faster without the password. They got in front of the door. They couldn't open the door because there was no password. They took everything. They missed the important part. Because the most important thing in the message of Ramana is the cloud of glory. The subject of the preaching today has to be the cloud of glory. And this cloud of glory is the seventh seal. It's the seven thunders. It's the our pyramid. Amen. So many people ran fast to big churches. The big churches. Some preach the doctrine of Jehovah's Witness. Some preach the doctrine of Baptists. And some preach the Pentecostal doctrines. Amen. They did not understand the divine, the deity of Jesus. Some fell on the some fell in the unities. Les autres sont devenus des unitaires. Some became the unity people. The oneness. The oneness. Le binité, c'est tout comme le frère le disait. Et les autres sont tombés dans la trinité. Some people went to the trinity. Amen. Amen. Les autres sont tombés dans l'unitarisme. Some fell on the oneness. C'est-à-dire que Dieu est un comme le doigt de ma main. That means God is one like a finger. Comme il n'y a plus de Dieu, as there is no more God, I will not pray. Les autres sont tombés dans l'unitarisme. Some fell on the two-ness. Dieu est là-bas loin. God is there far. Moi je ne suis pas Dieu. I'm not God. Amen. Amen. Et le frère Branham dit que la vérité est. And the Branham said the truth is the middle. Amen. Écoutez ce que le frère Branham. Listen to what Brother Branham said. And he said, et il a dit, his wicked, son péril, il est la péril. Il a une péril. Regardez le livre. Watch the book. Avant que cela puisse avoir lieu, before it ever happened, il l'a dit. I said that. Ça c'est le jour que cela a eu lieu. That and that the day when that happened. Et cela est monté en l'air. It went up. Et tourner l'image du côté. And then turn and then your turn that picture.
sideways. Si vous avez le magazine Look et Life, if you got Look magazine, tournez ça de côté. Turn it sideways. Il regarde juste à côté où je me tenais. There he is, just perfectly. Pardon. Il est là. There he is. Il est tourné ça de côté. He said, turn it sideways. Il est là. He is there. Amen. Qui? Who? Christ. Amen. Christ. Il est tourné ça de côté. He said, turn it sideways. Donc le problème c'est un problème, le problème d'angle. The problem is the angle. Amen. Amen. Les gens sont en train de regarder un nuage de mauvais angle. People are looking at the cloud in a wrong angle. Parce que si tu le regardes du bon angle, if you look at it in the right angle, tu ne verras rien d'autre que Jésus. You will not see anything as apart from Jesus. Parce qu'en cela, moi, je ne vends rien. From there, I'm not making it up. Parce que c'est le frère Branham. Because it's Brother Branham speaking there. Il dit, il est là. He said, there is. Parfaitement à la tête d'Hoffman. Just perfectly, Hoffman's head of Christ. Amen. Amen. Jésus est là dedans. He's there inside. Parfaitement à la tête d'Hoffman. Perfectly, just perfectly, Hoffman's head of Christ. Il y a le magazine. Ça est dans le magazine. It is in the magazine. There it is in the magazine. Non, mais j'ai sauté. I'll jump there. Regardant à droite, looking right, en bas, là où je me tenais, down where I was standing. Amen. Il dit qu'il est là dans la nuit. He said he's there in the cloud. Si vous tournez ça à droite, if you turn it on the right, vous allez voir qu'il est là. You will see that he's there. Et regardant à droite, and looking on the right, là où le frère Branham s'était né. That's where Branham was standing. Où était le frère Branham? Where was Branham? Il était sur le lit. He was there on the cloud. Et la science n'a pas dit que c'était le 4 mars. The science didn't say it was on the 4th of March. La science a dit que c'était le 28 février. Science says on the 28th of February. Le frère Branham a le document. Branham has a document. Et il ne contredit pas. And it doesn't contradict it. Amen. Je connais très bien le frère. I know Brother Branham. Si quelque chose n'est pas conforme à ce qu'il connaît, if anything is not according to what he knows, il corrige ça directement. He will correct it straight away. Si le frère Branham devait réprimander Bananeville, if Brother Branham had to rebuke Bananeville, parce qu'il faisait de fausses, il commençait à donner de fausses prophéties. Because he was giving false prophecies. Il a réprimandé l'Église. Rebuking church. Il n'a pas eu honte de ça. He didn't need to feel ashamed of it. Pourquoi est-ce que le frère Branham ne va pas réprimander la science? Why would he not rebuke the science? En français, on dit c'est lui qui ne dit mot consenti. In French, they said, if you don't say anything, you agree. You agree with it. Amen. Donc si le frère Branham n'a pas dit, if Brother Branham is saying, he doesn't say anything, la date était correcte. That's when the date was correct. Il dit ceci. He's saying this. Il y a un magazine. There's a magazine. Beaucoup d'entre vous ont vu ça. Many of you saw it. Certainement. Certainly. Certainement vous avez vu ça. Certainly you saw it. Of course you all seen. Of course. Oh, of course you all seen it. Regarde, là et regarde à droite. They're looking right back. Prouvant exactement que la révélation était correcte. Prove exactly that. Prove exactly the revelation was correct. Amen. Amen. Donc, la nuée était là. The cloud was there. Ça, c'est fou, vous pouvez voir. You cannot see it, it's a bit. Mais le journal qui a été publié, c'était ça. But that was the journal, the newspaper that published it. À part celui-là. Apart from that one. Il y a aussi le journal, le magazine Science. There is also the journal of magazine of science. Le nom de ce journal, c'est Science. Oh, the name of that newspaper is Science. A aussi publié ça. Published it as well. Et aussi Life Magazine. And Life Magazine. A aussi publié ça. Published it. Et voilà la position de la nuée de Samy. Look at the position that the cloud came down. Le frère Branham dit, si vous voulez tourner maintenant à droite. The Branham say, if you turn it on the right, vous allez voir exactement la tête. You will see exactly the head of Hoffman.
Amen. Amen. Donc là, nous comprenons que here we understood le 28 février, the 28th of February, c'est la date de la descente de la nuit. It's the date of the coming of the cloud. Quand on dit que le 4 mars, on n'a pas les éléments. When they say the 4th of March, we haven't got any elements. C'est le 28 février. It's the 28th of February. Que la nuit de gloire est descendue. That the cloud of glory came down. Mais ça, c'est un faux débat. That's a very false debate. Même si tu me dis que c'était le 4 mars. Even if you tell me it's the 4th of March. Alors, on peut me dire pourquoi est-ce que cette nuée-là est descendue. At least you have to tell me why that cloud came down. Et la nuée-là, c'est quoi? And that cloud, what is it? C'est ça le problème. That's the problem. Vous pouvez avoir la meilleure date. You can have the right date. Ça veut dire que voilà. You will say, c'est Jésus qui est venu. It's Jesus coming down. Mais c'est la 4e venue. Who is coming? Il est venu faire quoi? What did he come for? Yeah. Je vous donnerai un exemple. I will give you an example. D'un docteur qui soignait of a doctor that was deux fous. Treating two mad people. Les docteurs avaient constaté que les gens étaient les deux fous étaient guéris. Et the doctor noticed the two mad people were healed. Parce que en Europe nous avons les fous propres. In Europe we have clean mad people. Ils vont aussi au bureau travailler. They also go. They also go office to pray to work. Les frères qui travaillent, ils connaissent. C'est des choses. He knows what I'm talking about. Alors les médecins disent que oh, ils sont guéris. The doctor say what? They are all healed. Mais nous allons passer le test. We're gonna do some test. On a vidé l'eau de la piscine. They took the water out of the pool. On a demandé au premier malade. They asked the first mental person. On lui a dit est-ce que tu peux plonger. He said, they told you can jump in. Il dit, oh, je sais, oui, je peux le faire. He said, yeah, you do that. Ils ont dit, vas-y. He said, go and do it. Il s'est changé. He changed himself. Il a plongé. He jumped in. Il s'est collé contre le carreau. He calmed himself on the floor. Open this. Il s'est collé contre le carreau. He knocked himself on the floor. Et il est blessé. And he hurt himself. Alors ils ont dit non, il est encore malade. They said no, he's still. On a appelé l'hôpital. They took him to the hospital. On a appelé l'autre. They took the other one. Ils ont dit est-ce que tu peux nager? They said can you swim? Il dit non, je ne peux pas. He said no, I can't. Alors le médecin dit donc celui-là est guéri. But the doctor said that man is here. Mais posons la question, c'est de savoir pourquoi il ne veut pas nager. So they ask him why you don't want to swim. Mais pourquoi tu refuses? Why you refuse to swim? I mean, I'm not going to leave. He said, I'm feeling cold. Amen. Alors, on a compris que. So they understood. Ils étaient tous les deux malades. The two of them were still sick. C'est ce qui se passe dans ce message. That's the same thing in this message. Maintenant, je vais vous expliquer. Now we explain to you. Les gens ont vu la nuée. People saw the cloud. Ils ont dit que Jésus n'est pas encore venu. They said, Jesus hasn't come yet. Donc, c'est le fou qui avait nagé. That's the mad person that jumped. He said, "Connecté." And he knocked his head. That one, he knocked his head. Et l'autre venu. And the other one again. Oui, Jésus est venu. He said, "Yes, Jesus has come." Encore? Really? Ah, oui, les gars. So this one is here. It's a quel venu? Which coming? Venu spiritual. My. Amen. Good. Amen. Voilà une venu spirituelle photographiée. See the spiritual coming. On the picture. Le frère dit que l'œil mécanique ne peut pas prendre la psychologie. Provenant said the mechanical eye cannot take a psychology. Yeah. Alors. And then. L'autre dit. The other one said. Ce n'est pas le véritable spirituel, c'est le véritable physique de Jésus. It's not the spiritual coming, it's the coming of Jesus. Ah, donc physique. Il est vraiment guéri. He is really glorified. Glory to God. Mais dis-nous, c'est qui est venu? Tell us who is coming. Il est venu pour nous enlever. He came to take us. Il est encore malade. He's still sick. Parce que quand il vient pour nous enlever, when he comes to take us, to rob il us, vient comme un voleur dans la nuit. He comes as a thief in the night. Et la nuit, c'est les anges de l'église. And the night is the church angels. Les anges de l'église, c'est la colonne de feu. The church angels is the cloud. It's a qui conduisait les enfants d'Israël durant la nuit. It's a pillar of fire that led the children of Israel in the night. Et le matin, and in the morning, c'était la nuée. It was the cloud. Donc la nuée ne peut pas être
The cloud cannot be the rupture. Parce que c'est Apocalypse chapitre 1. Because that's Revelation chapter 1. Là où la Bible dit, where the Bible says, tout œil le verra. Every eye shall see. Le frère m'a dit, quand il est venu là, but when he came there, il dit que ce n'est pas la rupture. He said it's not the rupture. Il est venu pour prendre sa place. He came to take his place of the government of the world. Alors là, compris. Then we understood. Le plus qui a présenté la venue physique. Even the one that calls it the physical coming. Il est encore malade. He's still sick. Il doit aller à l'hôpital. He needs to go to the hospital. Amen. Amen. Donc les gens vont mentir l'essentiel. People miss the important one. Parce que la chose la plus importante de ce message. The thing, the most important thing in this message. C'est la niveau de gloire. Is the cloud of glory. Cette niveau de gloire nous a ramené l'éternité. This cloud of glory brought eternity. Cette nuée vient en dehors de toutes les fêtes. This cloud comes after toutes les fêtes. After all the feasts. Cette nuée est en dehors même de la fête des tabernacles. This cloud is even be after the feast of tabernacle. On ne peut pas parler de la nuée. We cannot speak of the cloud. Et que nous sommes en train d'attendre encore les trompettes. And we're still waiting for the trumpets. Qui appellera Israël? Who that we call Israel? Nonsense. No. Parce que la nuée c'est because the cloud is the holy convocation. C'est ce que les gens ont manqué. That's what people missed. Pourquoi? Why? À cause du père avec du leaven. Because of the bride with leaven. Ils avaient l'enlèvement des Pentecôtistes. They had Pentecost rapture. Voilà pourquoi le frère Branham. That's why Brother Branham. Lorsqu'il montrait, when he showed les pierres, the stones. Il a dit aux gens, he told people, restez là observer. Stay there and watch. Moi je pars. I will go. Je reviendrai vous trouver. I will come and find you here. Frère Branham dit, donc est-ce que j'ai tourné le dos? Brother Branham said, when I'm turned around, ils se sont dispersés. They all went different places. Et chaque personne est partie commencer une église. Everyone wants to start their churches. Il fallait d'abord être là. You should have been there. Étudier d'abord la chose. Studying the thing. Frère, si les gens avaient attendu. Brother, if people waited. Étudier d'abord clairement les messages. To study clearly the message. On n'allait pas avoir cette confusion. You wouldn't have all this confusion. Parce que quand le message est venu. Because when the message came. La dispensation était déjà finie. The dispensation was finished. Donc ils devaient d'abord être patients. They had to be patient. Avant de commencer les églises. Before going to start the church. Là, tu commences une grande église. You start a big church. Tu dis que les tonnerres ne sont pas révélés. You say the thunders are not revealed. Avant de montrer. But they show you. They show you. The Brother Branham said. Que les tonnerres sont révélés. That the thunders are revealed. Frère. And brother. Pourquoi? Why? Parce que tu as déjà bâti une dénomination. Because you've already built a big denomination. Amen. Amen. Et le frère Branham dit que. But what I'm saying. Une fois que une église s'organise. Once a church is organized, Dieu le place au rancard. God, Dieu le place au placard, c'est-à-dire le chef. God put them in a shelf. Dieu oublie ça. God forget them. Frère Branham dit qu'il n'y a aucune église qui tombe et qui se relève. But Branham said there's never a church that falls and God raises up again. C'est ça le problème. Frère. That's the problem. Courir sans un message. Running without a message. Je vais vous raconter une histoire. I will tell you a story. Ça c'est un fait. This is. C'est un fait. C'est une histoire. It's a story. Un monsieur, un chef de village. Un chef de village. A chief of the village. Il avait deux animaux de famille. He had two animals. Il y avait des caméléons. They were caméléon. Caméléon. Yeah, chameleon. Et il y avait aussi les lézards. And there was a lizard. Vous savez les lézards courent vite. You know the lizard run fast. Et les caméléons courent. And les caméléons ils lent. The chameleon broke. Huh? It's very slow. Yeah. Et le monsieur a demandé aux deux animaux. The man asked the two animals. Allez-y m'acheter les noix de palme. Go and buy me palm oil. Palm nuts, je pense. The palm nut. Yeah. Le fruit. Alors, en Kikongo. In Congo. On appelle ça ngazi. They call it ngazi. Maintenant, quand le monsieur a dit, allez m'acheter les nga. When the man said, go buy me the nga.
Les lézards est parti déjà. The lizard ran. Et le caméraman qui allait le suivre. And the camera that was going west, you know. Il a écouté les zis à la fin. He had the zis at the end. Et il est parti maintenant au marché le caméléon. The camera went to the market. Et il est parti acheter chercher le gazi qui est le bon de pâte. He went to look for the gazi. That was palm nut. Et au lieu de lui. And he gave it to him. Il est revenu aussi doucement. He came in very slow. Mais le lézard qui est parti là-bas. But the lizard that went there. Et pour qu'il est parti. Since he was left. Il est allé chercher le gars. He was looking for the gars. Est-ce que vous connaissez le gars? Do you know the gars? Peut-être que c'est le gars. Maybe it's the gars. Non. Gars. Mais ça, ça n'existe pas. They tell him this. That one doesn't exist. En fait, il est fatigué. So he got tired. Il dit, laissez-moi rentrer. He said, let me go back. Il dit, ah, quand il est rentré là, il a dépassé encore le caméléon. Passed the caméléon. Le caméléon, tout doucement, il dit, mais quand? He said, il marche comme ça. You're walking very slow like this. Mais lui, il avait quand même marché. But he had already won. Il allait tout doucement. He had what he needed, so he was going to go. So when he got in front of the master, he said, Master, what did you ask me? He said, what you ask me doesn't exist. He said, what did you go look for? He said, I went to look for the car. No! He said, no. It was a Gazi. We'll go and buy it. When you went there, the market was closed. Et c'est ce que les gens ont fait avec ces messages. And that's what people have done with this message. Ils sont venus des églises du monde. They came in the worldly churches. À peine qu'ils ont connu le message. As soon as they knew the message. Directement ils ont commencé l'église. So they started the churches. Et c'est devenu un fonds de commerce. And it became a business. On commence l'église là. You start the church here. On dit que les femmes doivent porter le mouchoir à la tête. You say women should put the scarf in the hair. Mais où est-ce que vous avez pris ça? Where did you get that? Et frère, vous ça? My brother said this. Il dit non. He said no. La chevelure et son voile. The hair is the veil. Amen. Amen. Au lieu de voir simplement ce que la parole est dit. Instead of seeing what the word says. Ils sont entrés en conflit avec le frère. They went in conflict with the brother. Pourquoi? Why? Parce qu'ils sont partis trop vite. Because they went so fast. Oh, le message de Abraham n'est pas venu pour enseigner les lois et les rites. The message of Abraham didn't come to teach us the laws. Le message de Abraham est venu pour nous ramener la pensée. The message of Abraham came to bring us the mind of God. Amen. Amen. Et chaque personne s'est arrêtée dans sa station. And everyone stopped in the station. Sans ramener la chose essentielle. Without bringing the important part. Amen. Amen. Ils ont pris la petite fleur. They saw the small flower. Ils ont pris tout ce qu'ils ont eu besoin. They took what they wanted. Et ils sont rentrés. And they came back. La petite fleur dit, vous avez oublié l'essentiel. The small flower, the little flower said, you forgot the essential. Amen. Yes. C'est ce que les gens font avec ça. That's what people do with the message. Ils ont le frère Branham. Ils disent que c'est impossible que ce soit un nuage parce que l'humidité ne monte pas si haut. Is they say it's impossible for it to be a cloud because the humidity doesn't go that high. Il s'est trouvé à une altitude d'environ 6 à 8 miles. It was in an altitude in about 6 to 8 miles. Pour survoler les océans. To fly the ocean. Les avions volent généralement à une altitude voisine de 19 000 pieds et sont au-dessus des orages. The plane flies generally higher in about 10 to 9, 19 miles higher. Yeah. 19 miles feet. Yeah. Mais selon cet article, les savants affirment que les nuages avaient une hauteur de 26 miles. According to this article, the science believes that this cloud has 8 miles. Non. Higher. Avec une hauteur. They had high the 26 miles. Or 26 miles. Had 28 miles. Was 28 miles 26. High. 26 miles high. Il était beaucoup plus haut que l'altitude des nuages. It was more higher than cloud altitude. Quand au bruit,
for the sound. Combien se rappelle que j'avais dit que cela faisait penser au bruit d'un avion supersonique? How many remember that I said that now's noise will be so loud compared to a flight, a plane, the plane noise? Donc, c'est-à-dire que lorsque la nuée est descendue, when the cloud came down, il y avait des bruits. There was noise. Et le frère Branham avait tout prédit. And the brother predicted everything. D'ailleurs, il avait dit que he said, il ne pense pas que quelqu'un peut vivre. Can, it doesn't mean that anybody can live of that noise. C'est ça qu'il pensait le frère Branham. That's what Branham said. Et il a dit. And he's saying, et vous vous en souvenez? You remember? Pourtant, il n'y avait pas d'avion dans la région. It was, there was no plane in the region. Amen. Amen. Si, frère, ah, Dieu est merveilleux. God is wonderful. Si vous allez sur internet, if you go on the internet, essayez de voir le ciel d'Arizona. Try and look at the cloud of Arizona. Le ciel d'Arizona n'a pas de nuages. The Arizona cloud is no. C'est tout bleu. It's all blue. Vous avez remarqué même dans cette image là. You will notice that picture. Voilà. Vous avez remarqué même dans cette image là. In that image. C'est tout bleu. It's all blue. C'était avant de parler avec le frère Carl qui a dit son I was speaking just the day before I was speaking to brother. Live. You were speaking live. Sur WhatsApp. In WhatsApp. Alors ils ont filmé le ciel d'Arizona. So there was filming the sky of Arizona. Ils m'ont dit frère, tu vois c'est bleu partout. He said, you see how it is blue everywhere. Donc Dieu avait permis que ce soit là-bas. God permitted it to be there. Pour que ce soit quelque chose de remarquable. So that it can be something to be noticed. That something to be noticed. Donc il n'y avait pas d'avion là-bas. So there were no plane there. Amen. Amen. Alors, le frère Branham dit, Branham, cela ne pouvait non plus être la traînée que l'on voit derrière un avion à réaction. That cannot be the smoke that comes behind the plane. Vous connaissez qu'il y a des avions, quand ça passe comme ça, vous voyez la fumée qui suit. You know, there's other plane that when it goes by, there's smoke coming behind it. C'est ça qu'on appelle les avions à réaction. That's what we call plane with all those smoke. Alors, il dit parce que cette traînée n'est rien d'autre que de la vapeur d'eau qui sort des réacteurs. Because that smoke is only the water coming at the back of it. Et de plus, More, cette traînée l'accompagne tout au long de son vol. It leads it always all along the flight. Il dit, et voilà ces nuages se trouvaient à une altitude bien supérieure. And now this cloud was in a higher altitude. À celle où se forment les nuages. And of which the clouds may form themselves. Il n'y avait pas d'avion dans la région. There were no plane in the region. C'était non plus de l'humidité. It wasn't even the humidity. Et malgré tout, il était présent ce jour-là. No matter what, he was present there. Il avait environ 30 miles de large. It was about 30 miles of height. C'est comme je vous l'avais dit autrefois. As I told you last time. Bien avant que cette photo soit. Before that picture even took place. Amen. Amen. L'ange du Seigneur a l'aspect d'une colonne de feu. The angel of the Lord has the form of a pillar of fire. Dieu a fait en sorte que la science reconnaisse que c'est la vérité. God made in the form, God made that the saint to notice that it's the truth. Parce que Dieu avait permis que la photo de la colonne de feu soit prise. God permitted that the picture of the pillar of fire to be taken. Pour que cela soit certifié comme étant la vérité. For it to be certified as it's true. Et aussi à la descente de la nuit. And the coming of the cloud. Dieu prend la science à témoin. God took the saints as witness. Ils ont pris la photo. They took the picture. Pour prouver que c'est la vérité. To prove it was the truth. Il dit, alors quelle est notre position dans tout cela? And he said, what's our position in all of this? Je vais garder ces documents. I will keep these documents. Parce que je vais peut-être parler à un. Parce que je vais peut-être parler à un ami. Because I might speak to a friend. Qui est ici ce matin? Who's here this morning? Et qui va rédiger le livre de cette sorte. Which will
He's going to write the book of the seven seals. Il pourrait en avoir besoin. He might need it. Si vous avez des exemplaires de ce journal, if you have copies of this newspaper, gardez-les à titre de référence. Keep them as a reference. Maintenant, les journaux que vous allez garder à titre de référence, the journal or the newspaper that you will keep as a reference, qu'est-ce qu'il y a comme date là? What date? C'est le 28 février. 28 of February. Le Père nous a recommandé de garder les journaux. The Father advised us to keep the journal as a reference. Maintenant, quand j'ai cette référence là, if I have the reference, recommandé par le Père advised by the Father. Et si je vais trouver la date de la descente de la nuit, if I want to find the date of the coming of the cloud, je vais trouver ça où? Where will I find it? Dans les journaux. In the newspaper. Et là, le journal s'est mentionné le 28 février. In the newspaper, it says on the 28th of February. Amen. Amen. Mais la science voulait connaître c'était quoi? Now, the science wanted to know what was it. Même le monde des églises aussi voulait connaître c'est quoi? Even the world of the church wanted to know what was it. Dans ce message, les gens se sont moqués de la nuit. Brother, in this message, people mocked this new this cloud. Ils ont dit que ça ne peut pas être Jésus. They say it cannot be Jesus. Un Jésus qui a une grosse tête comme ça. A Jesus that has a big head like this. Un mot contre le Saint-Esprit. One word against the Holy Spirit. Cela ne vous sera jamais pardonné. That will never be forgiven. Ni dans ce siècle. In this generation. Ni dans le siècle à venir. Or the coming generation. Donc c'est quoi? What is it? L'avertissement. Annihilation. Annihilation. Amen. Amen. La nuit, le feu va nous le présenter. The cloud, Rabbanim is presenting it. C'est le lever du soleil. It's the rising of the sun. Le prophète dit. The prophet said. Tournez la photo. Turn the picture. C'est Jésus qui est là. It's Jesus there. Regardez ses yeux. Looking at the eyes. Regardez son nez. Look at the nose. Regardez sa barbe. Look at his beard. Mais toi tu dis que. But you are saying. Ce n'est pas Jésus. It's not Jesus. Au lieu de t'arrêter là. Instead of stopping there. Tu rajoutes à toi. You're adding. Et Jésus qui est une grosse tête. And Jesus with a big head. Ce n'est pas tout le monde qui croit le message de Branham qui est un enfant de Dieu. It's not everyone that believes the message of Branham is the truth. Parce qu'Adam et Caïn et Abel ils étaient dans la même église. Cain and Abel was the same church. Comment est-ce que nous allons nous combattre mutuellement par rapport à ce qu'il fait Branham? Why are we going to fight for what Branham is saying? Le Père c'est le prophète qui est là. Le Père is a prophet who is the absolute. Si le Père dit quelque chose, if Père Branham says something, on doit faire le profil bas. We have to bow to it. Amen. On doit croire ça. We have to believe it. Le problème c'est que the problem is il y avait trop de pentecôtisme dans la pensée. So many pentecostal ideas in our mind. Et ça c'est une grande maladie. And that's a very great disease. I will go fast. So that I won't get you tired. But what I'm saying is. You're saying this. Vous voyez, you see. Le monde cherche à découvrir ce que the world is looking to find out what it means. But what I'm saying. Le monde, the world. C'est le système des églises. Is the system of the church. À bientôt. Soon. Le monde ne me verra plus. The world will see me no more. Et en d'autres termes, in other words, le système de l'église, the system of the church. Amen. Church même system. Si tu es une église du message, even if you are in the message church, si tu es dans un système, if you are in the system, tu ne verras pas ça. You will not see it. Parce que le monde a demandé. Because the world asked. Cherchez à découvrir ce que cela signifie. To find out what does it mean. Mais à quoi cela servait-il de leur dire? What Upon? À quoi servait-il de leur dire? Why? What should I tell them? Amen. Ça ne sert à rien faire. It doesn't serve nothing. Tu vas dans une église pentecôtiste. You go to a pentecôtiste. Tu vas anyway. You take the picture. Tu vas dire que. You tell them. C'est Jésus qui est venu. That's Jesus has come. Est-ce qu'il faut de quoi? Vous devez believe him. Frère Branham dit, il va s'en moquer. Problème c'est que vous laughez. Amen. Amen.
Ils se sont moqués de la nuée et des messages. Des fois, des églises du message. They mocked the cloud, even the messages. Ils ont fait la même chose que les gens qui sont dehors. They did the same thing people answered. Pourquoi on va les dire ça? Why are they going to talk? Comme je l'ai dit la fois passée. Ils attendaient le Messie. They were waiting for the Messiah. La Bible dit. The Bible said. Une vierge concevra. A virgin is conceived. Et une vierge a conçu. And the virgin conceived. Mais ils ne veulent pas croire. But they don't want to believe. Amen. Amen. La Bible dit. The Bible said. Il est admirable. Is the admirable. Conseiller. Advisor. The advisor. Prince de paix. Prince of peace. L'autorité reposera sur son épaule. The authority will lay on his shoulder. Il est le Dieu tout puissant. He is the mighty God. Mais ils ont refusé. But they refused. Amen. Amen. Ils ont dit, toi tu es un homme, tu te fais égal à Dieu. Say you are a man and you make yourself equal to God. Mais c'est la Bible qui avait prédit qu'il est Dieu. But it's the Bible that predicted that he's God. Amen. Amen. Et aujourd'hui, si je dis que je suis Dieu, and today if I say I'm God, c'est un grand problème. It's a big problem. Mais si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas donner. But if you're not God, you cannot worship. Mais femme me dit. But when I say, c'est Dieu qui descend dans l'homme. It's God coming in a man pour adorer, to worship, et être adoré, and be worshipped. Non. Ce n'est qu'un enfant de Dieu qui peut connaître ces choses. It's only a child of God that can know all this. Before Abraham dit ceci. But Abraham said this. Il va s'en moquer. They will mock. Les gens riront simplement de cela. People will laugh at it. C'est pourquoi ne jetons pas nos perles ainsi. That's why I don't throw away our pearls. On ne jette pas les perles au pouceau, frère. On ne jette pas les perles au pouceau. Tu vois quelque part. You go somewhere. Les gens profitent pour que nous sommes dans le vieux mortuaire. Where we are in funerals. Et les gens profitent pour dire n'importe quoi. People profit to say not whatever. Quelqu'un peut venir. Someone can come. Ah, brother. You see me in the millennium. What kind of millennium is this? Brother, it's not me who saying this. Mon péché à moi, my sin, c'est parce que je crois simplement ce que je veux. Because I believe what Barbanam said. Montre-moi. Ah, show me. Regarde ce que le feu Barbanam. Look what Barbanam said. Il regarde comme ça. Il l'autre est. Il tourne et puis s'en va. Il tourne. Ah, mais frère, tu dis quoi? Ah, brother, what you say? Une autre fois. Another day. On ne jette pas le père au poste. You don't give food to. Le père, c'est. Comment? Les pierres précieuses. The precious stones. Precious stones. To the pigs. To the pigs. Il ne faut pas le faire. You should do that. Parce que ça, ce sont des choses des enfants. Because this is the things for the children. Amen. Amen. Nous savons. We know. L'Église sait. The church knows. Et Dieu sait que c'est la vérité. And God knows it is the truth. Amen. C'est l'Église qui connaît. It's the church who knows the secret of this cloud. Il est assez fréquent. He's saying this, brother. Vous vous rappelez cette prédication? You remember this preaching? Monsieur, quelle heure est-il? Sir, what time is it? Attendez. Wait. Non, je vais sauter. I will jump. Il n'est pas trop fatigué, frère. Voilà, il dit ceci. Non, il est saying this. Frère Barab, explique maintenant. Frère Barab, explique now. Cette nuée. Is this cloud. Amen. Amen. Je vais être en bref. I'll be short. There's a lot of slides. Mais je vais sauter. I will jump. Maintenant, après que la Bible a été interprétée complètement. Now, after the Bible was interpreted, completely interpreted, vous remarquerez que you will notice le rocher en forme de pyramide a été ouvert. The rock in the form of pyramid was open. Amen. Amen. Le rocher en forme de pyramide a été ouvert. The rock in the form of pyramid was open. Après que la Bible soit interprétée complètement. After the Bible was interpreted completely. Amen. C'est-à-dire que la Bible est. The Bible finished. Is finished. Il n'y a aucune révélation qui viendra. There's no revelation that will come. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 22. We are in Revelation chapter 22. Oh, Apocalypse chapitre 22. Revelation 22. C'est Israël et l'Église. It's Israel and the church. Amen. Je pense que ceux qui enseignent cela savent de quoi je parle. I think those who are teaching it knows what I'm talking about. De toute manière. In other way. C'est là la forme d'une pyramide. It has the form of a pyramid. Mais le sommet de la pyramide n'a jamais été
But the top of the pyramid has never been déposé. Been placed. Je suis allé au Caire. I went to Caire. En Égypte. In Egypt. Donc je suis allé, il est parti là-bas, il n'a pas trouvé la pyramide parfaite. He never saw any pyramid, short pyramid, cut pyramid. Il dit maintenant. It's parce que c'est une pierre d'angle. It's because it's the angle stone. Cornerstone. The cornerstone. C'est une pierre d'angle. It's a cornerstone. Une pierre de fait. A perfect stone. Dans l'église, c'était la pierre d'angle. In the church, it was a cornerstone. Dans l'église, arrivée à sa perfection, ce sera une pierre de fait. In the church, coming to its perfection, it will be a perfect stone. Amen. Amen. A capstone. Vous êtes avec moi. Mm-hmm. On avait vu que les sept messagers avaient le ministère de la pierre de fait. We see the seven messengers had a ministry of the capstone. Amen. And Brahman was saying in the church it was a cornerstone. And when we get to the capstone, the church will get to its perfection. Amen. 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 Now he went. Has the church not been, has the church not been perfection? Amen. Donc maintenant l'Église est sans tache ni ride ni rien de plus. Now the church is without blemish, without. C'est une épouse parfaite. It's a perfect bride. C'est ça que j'ai toujours dit. That's what I always say. Ce n'est pas la montagne qui est sainte. It's not the mountain that's mais holy. Mais Dieu sait sur la montagne. But it's the Holy God on the mountain. C'est le Dieu sait. It's the Holy God. Dans l'épouse. In the bride. C'est ça la perfection. That's the perfection. When you get to the opening of the church, the church has become perfect. That's what the cloud. That's what the cloud came to accomplish, fulfill. He says this. In the church getting to its perfection, it will be a capstone. C'est pourquoi elle n'a jamais été posée. That's why it never been placed. Elle a été rejetée. It was rejected. C'est Christ. It's Christ. Mais elle viendra. But she will come. Et je crois que lorsqu'elle viendra. And I believe when she comes. L'Église prendra sa forme et sa position. The church will take a form and a position. Écoutez, ayant passé la justification. Passing the justification with Luther. Passer la sanctification avec Wesley. Passing the sanctification with Wesley. Oui, au message de Pentecôte. And then the message of Pentecost. Cela réduira l'Église à une toute petite minorité. That will reduce the church in a small minority. Amen. Amen. L'Église. Look at the church. Petit troupeau de crainte. Amen. Little lamb. That will bring the church in a small minority. Because when the capstone is coming down, look down. It's big. When we begin, when it goes up. But when it gets up to the top there, there is a third pool. If you've never been in God, tu n'es pas concerné. You are not concerned there. Amen. Amen. Et la pierre de fait, and the capstone, le message de la nuée, the message of the cloud, c'est le message du sommet de la pyramide. Is the message of the capstone, the top of the pyramid. Yes. C'est le message du sommet de la pyramide. It's the message of the top part of the pyramid. C'est ce que le frère Branham avait vu, avait pris dans la vision de John Objection. That's what Brother Branham saw or took in a vision of John Objection. Et il y a aussi les songes généreux de Robinson. And there's also the dream of Roy Robinson. Vous savez ce qu'il a rêvé? Do you know what he dreamt? Il dit le frère Branham. He said, Brother Branham. Nous étions dans une table comme la table du Seigneur. We were in the table like the table of the Lord. Ça c'était le souper de noces. That was the bride supper. Bon sap. Bon sap. Maintenant,
nous étions assis de côté. We were all sitting on the sides. Mais il y avait un monsieur qui était à la tête de la table. But there was one person on the top of the table. Il dit, Father, I'm trying to regarder. I said, Father, when I looked, c'était toi. It was you. Man. Maintenant, une nuée est venue. Now, a cloud came. Et t'a dérobé. And took you. Ça t'a amené. Took you. Et puis, j'ai commencé à crier. And I started shouting. Ramenez Frère Branham. Bring Frère Branham. Ramenez Frère Branham. Bring Frère Branham. Et après quelques temps, and after a certain time, j'ai vu la nuée de ramener. I saw the cloud bringing him. Et tu avais changé d'apparence. And change. Your appearance changed. Alléluia. Quand la nuée est descendue, when the cloud came, le Frère Branham a été pris dans la nuée. Frère Branham was taken in the cloud. Et quand il est descendu, when he came down, c'est là où il a commencé à débloquer le pied. That's when he started to quickly the stone. Que personne n'a touché. That no one had touched. La nuée peut être faux. The cloud can be wrong. C'était simplement peut-être le missile qui se sait. It might be the message that they were trying. Mais quand il est ouvert, but what about the coming of the soul of the seals? Comment est-ce que cela est passé? How is that perfect? Si c'était du faux. If it was wrong. D'où vient la perfection de ça? Where is the perfection of the cloud? Voilà pourquoi les gens ont manqué la chose. That's where the law of people miss. Faites qu'il y ait dans ce message. You are only the message. Dis-le voilà. You say voilà. C'est simplement la nuée de quoi? It's only the cloud. Tu t'en es là. Stop there. Tu demandes à quelqu'un. If you ask somebody. Ça c'est quoi? What is it? C'est la nuée de quoi? It's the cloud, the glory. Mais ça c'est pas une réponse. That's not the answer. Si il y a 1 plus 1. Oui, c'est 1 plus 1. Égal combien? Equal. Quand tu me dis 1 plus 1, égal 1 plus 1. You say 1 plus 1 equal 1 plus 1. Tu m'as pas donné la réponse. You didn't give me the answer. Amen. Amen. Ça c'est quoi? What is it? On va dire c'est Jésus qui est. We have to say Jesus that has come. Ça ne s'arrête pas là. It doesn't stop there. Mais il est, c'est quelle venue? What coming? C'est la troisième venue pour les Juifs. The third coming for the Gentiles. La troisième venue pour les Juifs. The second coming for the Jews. Amen. Amen. Il est venu faire quoi? Why is he come for? Il est venu rétablir le royaume. He came to restore the kingdom. Ils ont vu la venue du Seigneur. My brother said they saw the coming of the Lord. Virgule. Come on. La venue du royaume. The coming of the kingdom. Ça dit le royaume c'est un homme. That's in the kingdom of the man. Qui vient établir le royaume dans les hommes? Who comes to establish kingdoms in men? Amen. La venue de la nuée c'est la venue du royaume. The coming of the cloud is the coming of the kingdom. C'est l'accomplissement du troisième dessein. It's the fulfillment of the third purpose. Thank you. Je m'en vais. I'll go first. Il dit ceci. He said this. Oh, j'aime ça. I like l'église prenait sa forme et sa position. And the church will take its form and its position. Et elle passait par la justification. I'll pass it by justification. Elle passait par la sanctification. Sanctification was laid. Ruth decision. Ruth decision. Ruth servant. Ruth serving. Et l'église est passée le message de Pentecôte. And the church has passed the message of Pentecost. C'est là où l'église s'est reposée. That's where the church resting. Dans l'église, dans le Saint-Esprit. In the Holy Spirit. C'est là où le Frère Branham dit. And that's what Brother Branham said. Il explique dans le livre des Hébreux. In the book of Hebrews, il explique. Quand Dieu avait dit, il n'entrera pas dans mon repos. He said, one God said, they will not enter in my rest. Le repos, c'est le Saint-Esprit. The rest is the Holy Spirit. Mais l'église a dépassé le Saint-Esprit. But the church has passed this is the Holy Spirit. Avec Boaz. The church is now in the marriage with Boaz. Dans un repos éternel. In the eternal rest. Qui est le pays éternel du millénaire. Which is the eternal country of which is the millennium. Amen. 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 Cloud of glory. The cloud of glory. Frère Branham dit que. Frère Branham dit. Cela réduira l'église à une toute petite minorité. And that will reduce the church in a small minority. Il y aura un ministère au milieu de ce peuple qui s'identifiera peu à peu exactement au ministère de Jésus. There will be a ministry in among these people that will identify bit by bit the ministry of Jesus. C'est cela qui amènera Jésus Christ à revenir et à enlever son épouse. That's the one that will bring Jesus back and to take his church. Amen. Amen. What is the cloud about?
secours. Non, les gens courent. People are asking. Pourquoi est-ce que cette nuée est là? Why that tower is there? Amen. Laissez-moi aller vite. Let me go fast. Je vais prendre les précipices. I will take two drugs and then take the last one. It is a zero in English. He's saying this in English. Easy for you. Then when that went up, et quand cela est parti, the big observatory from way down in California, clamped down in Mexico, over Tucson, everywhere, taking a picture of it, it was a missile site by a Fred Sotman. Fred Sotman there, sitting right back there, and I, Brother Jim Norman, standing right there, present when it went up. They took the picture. Still, they don't know what about it. Here, some time ago, everybody saying, "Look here, this looks like this." And then angel wings, how they fallen here. One day, turning into a right, looking, there was an angel. Je vais tourner à droite et il y avait Jésus. And one day I turned to the right and there was Jesus. And one day turning into the right, looking, there was Jesus Christ, just as perfect as Hoffman ever drew him. Il y avait angel. Quand j'ai tourné ça à droite, il y avait Jésus parfaitement comme Hoffman l'a dessiné. Oh my. It was standing there with a white wig on. Man. Il était là avec une perruque blanche. Regardez derrière, down toward the earth. Il regardait en bas, sur la terre. Showing that he is a point of authority. Montant qu'il est une autorité suprême. The heavens declared, le ciel l'a déclaré. The Bible declares it, la Bible l'a déclaré. The message declares it, le message l'a déclaré. All the same supreme authority, l'autorité suprême. With the white wig on, you see his black belt under, avec l'autorité suprême. Vous voyez, avec sa barbe noire en bas. Amen. It is the same. The same. There he is. Here, just as perfect as it was. If it had been photographed of him, they're looking at it from the wrong angle. My man. Ils sont en train de les regarder d'un mauvais angle. They're looking at it in the wrong angle. Hallelujah. Ils sont en train de les regarder d'un mauvais angle. They're looking at it in the wrong angle. Si tu regardes la langue de frère Branham, if you're looking at the angle of the Branham, comme lui a dit, you will say, as he said, que Jésus, that est Jesus là. Is there. Maintenant, frère, so, brother, how come a message believer is in the cloud is not the coming of Jesus? And only the Lord God can reveal which is the right angle. Seulement Dieu peut révéler c'est quoi le bon angle. Turn it to your right and look at it. Tourne ça à sa droite et regardez. Amen. Amen. There he is. Il est là. Amen. Just as perfect had been photographed out there. Amen. La notice spirituelle est encore là. La même prédication. The first time I ever seen him, he looked like the head of Hoffman. I had never seen that before. And in being Sunday's tabernacle, years later, I saw it. My heart has never been without one of the pictures since the photo of man. Then, here in the skies, saying that the very God that I saw up in the vision out there, out here, just a little boy out here, by where his
schoolhouse stands. He looked like that. And here in the heavens, 33 years later, declared that is the truth. That's the way he looks, not some mystic somebody of somebody's idea. Amen. Le fait qu'on allait partir prier pour son père. I want to say, he went to pray for his father. Il a vu Jésus-Christ. He saw Jesus Christ. Avec l'apparence de la photo de Hoffman. With the appearance of the picture of Hoffman. Frère Branham dit qu'avant il négligeait la photo. But Branham said, before he used to neglect that picture. Il dit, ce jour-là, il est parti chez Billy Sunday. He said, that day, he went to Billy Sunday. Je n'ai jamais marqué cette photo. He said, I never missed that picture in my house. Et quand l'animal descend. And when the cloud came. Cela était conformément au face au décès de Hoffman. That was confirmed exactly as the picture. He said it's not what the man drew, but it's the picture. Amen. Amen. Tout ce que nous avons, everything that we have as the image of Jesus, c'est la photo. It's the picture. Vous allez voir que les gens croient plus aux photos. You see, people believe so much on pictures, au dessin, or in drawings, drawing out, qu'à la véritable photo de Jésus. Instead. Car la véritable, ils croient plus au dessin que la photo. Oh, they believe so much in pictures, draws out than the picture of Jesus. Parce que ça c'est une photo. This is a picture. La colonne de feu c'est une photo. The pillar of fire is a picture. Frère, ça c'est Jésus. This is Jesus. Mais dans la tête des gens. But in the man's head. Jésus n'a pas cette forme là. Jesus hasn't got that form. Et quand il change de forme, when he changes forms, on ne le voit plus. Then we don't see. Amen. Amen. C'est ça le problème. That's the problem. Vous cherchez quelqu'un que vous ne connaissez pas. You're looking for someone that you don't know. Les Pentecôtes attendent Jésus. The Pentecostals are waiting for Jesus. Mais ils n'attendent pas le Christ. But they don't wait. They're not waiting for Ram. Amen. Ça, ce ne sont pas des églises. That's are not churches. Attendre un Messie sans précurseur. Waiting for a Messiah without the Even the Jews will understand that you are mad. Parce que les disciples quand ils ont vu le Messie, because the disciples when they saw the Messiah, ils ont dit mais il ne veut venir. But they said, but Elijah has. Parce qu'ils savaient que avant que le Messie puisse venir, because they knew before the Messiah, il faut qu'il y ait d'abord un précurseur. There has to be a forerunner. Mais les gentils. They are looking for a Jesus. Mais, don't know. How are you going to know it? Already the point. They have to show you. Mais le précurseur qui sort, the forerunner in question, est parti. He's gone. Vous cherchez Jésus. You're still looking for Jesus. Et tu dis que tu crois le Messie. You say you're a Messie believer. Mais il t'a déjà montré Jésus. He already showed you Jesus. Si le frère n'a pas présenté Jésus, if brother did not present Jesus, donc c'est un prophète irresponsable. That means he's a responsible prophet. Et c'est un pécheur. And he's a sinner. Parce que pécheur, but sin, because sinning, c'est manquer le but. It's missing the purpose. Parce que son but, because his purpose, c'est de présenter Jésus. It was to present Jesus. Il est parti. Now he's gone. Jésus n'est pas venu. Jesus is not. Donc c'est un faux prophète. That means a false prophet. Donc être dans le message, being the message, dis que Jésus n'est pas venu. Say Jesus has not come. Tu fais le frère Branham. You are making Brother Branham the false prophet. Amen. My. Notice. Remarquez. Now, earth becomes, and then this had another meaning to it. I know many of you, my brethren, the clergyman, you apply that to the coming of Christ. Amen. That's right. It was applied there. The order of the coming of Christ. L'ordre de la venue de Jésus. Ça dit la nuit. The clergyman. Amen. It is a sin. They look again and see. No, just for them. As they look at them, they see what? Glorified Jesus. They look again and see Moses and Elijah, the two witnesses, Revelation 11. Then they look back and see Jesus only. Amen. Ils ont regardé. They looked. C'était un Jésus glorifié. It was a glorified Jesus. La nuée qui est venue. The cloud again. Ce n'est pas un Jésus qui vient enlever. It's not a Jesus that comes to rapture. C'est un Jésus qui est glorifié. It's a glorified Jesus. Et la croix de Jésus.
Christ est son épouse. And the glory of Jesus is his bride. C'est Christ qui revient avec son épouse. It's Christ coming with his bride. Et les deux témoins étaient déjà. And the two witnesses was already there. Alors quand ils ont voulu chercher Moïse et Élie. When they wanted to look for Moses and Elijah, ils ont disparu. They disappeared. Et quand ils ont regardé, when they looked again, Jésus seul. Jesus alone. Amen. Amen. Ça c'est le tableau, frère. That's the picture. Si vous cherchez maintenant, en ce moment-là, où est-ce que Pierre et les disciples devaient chercher Élie ou Moïse? In that moment, where would Peter and the other disciples looking for Moses and Elijah? Ils devaient le voir en Jésus. They were going to see him in Jesus. Parce qu'avant de venir là, before coming there, ils étaient en Jésus. They were in Jesus. Ils sont simplement sortis. They only came out. Et puis ils sont rentrés. And they came back. Amen. Trois prophètes majeurs à la fin n'existent pas. Three major prophets in the same time doesn't exist. Exactly with the order the coming glorified Christ are preaching to the Jews. And then Jesus coming with his bride. Amen. Exactly. Thank you, Denis. The coming of glorified Christ, la venue de Jésus glorifié. Prêcher aux Juifs. Preaching to the Jews. Et Jésus qui vient avec son épouse. And Jesus coming with his bride. Ah, ça me fait du bien. My man. Alléluia. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Le Fils de Dieu. The Son of God. Il est présent dans cette ici. He's present in this building. Vous voyez? You see? Il est ici. He's here. Vous ne pensez pas à ça? Don't you think that? Vous ne pensez pas que c'est le même évangile que Paul a prêché? Don't you think it's the same gospel Paul preached? Pourquoi vous cherchez quelque chose de différent? Why looking at someone? Oh, oh, vous cherchez quelqu'un? Say, I perceive that you is the faith once delivered of the saint. Oublie ça, Dieu est vite. Jésus glorifié. Now, Jesus had just been taking Peter and James and John. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils sont montés à la montagne pour leur montrer la venue du Seigneur. To show them the coming of the in green. They went up in the mountain to show the coming of the Lord. Il dit, he said, il y a des soldats qui sont ici. Some stand here. Ils ne verront pas la mort. Shall not see death. Avant de voir. Until they have seen. La venue. The kingdom. Du royaume de Dieu. Of God. Venant à sa puissance. Coming in his power. Amen. Amen. Il dit, il les a amenés là pour leur montrer la venue du Seigneur. You see, he took them there to show them the coming of the Lord. Après, il dit que. And then he said. Parmi vous, il y a des gens ici qui ne vont pas. Some of you will not die. Avant de voir. Before seeing. La venue du royaume de Dieu. The coming of the kingdom. In his power. Donc, la venue du royaume. The coming of the kingdom. And the coming of the Lord. The same thing. C'est la même chose. It's the same thing. Et c'est ça la venue de la nuit. It's that coming of the cloud. And he went up and showed them just. What will take place? Et il a monté là pour leur montrer ce qui aura lieu sur la montagne. And when they did, the first thing they saw, Jesus glorified. Quand ils sont partis là-bas, la première chose qu'ils ont vu, c'était un Jésus glorifié. Et la chose suivante, that's the next thing the church will see here on earth, is the coming glorified Jesus. Amen. Frère Mou avait dit au frère Branham. Pardon, que les cheveux blancs. The white hair of Jesus. C'était par rapport à son âge. It was about his age. Frère Branham dit que non. Brother Branham said, no. Surnaturel. It's supernatural. Il n'a pas d'âge. Person it does not have age. Il dit cela sonne bien pour une théologie. He said that sounds good for a theologian. Mais pas pour moi. Not for me. Il a fait des recherches. He made some research. Et il avait compris. And he understood. C'était Jésus. It was Jesus. Dans son état glorifié. In his glorified state. Donc le Jésus qui vient dans la nuée. The Jesus that come in the cloud. Ce n'est pas un Jésus qui vient pour enlever. It's not a Jesus that come to rob. C'est un Jésus qui est glorifié. It's a Jesus that comes. That the Jesus that is glorified. Amen. Amen. The next thing they seen was Moses and Elijah. La chose suivante qu'ils ont visité Moïse et Élie.
apparaissant de deux côtés. That will be to preach to the remnant of the Jew after the church has been raptured. That shows qu'ils ont vu après. The thing they saw after. C'était Élie et Moïse. It was Elijah and Moses. Qui vont prêcher chez les Juifs. That went to preach to the Jews. Ça c'est après que l'Église a été enlevée. He said this is what after the church was raptured. The coming of the cloud, quand cela arrive, when that comes, il y a Élie et Moïse, there is Elijah and Moses, et il y a les 144, and there's 144,000. Après que l'Église a déjà été enlevée. That happens after the church has already erupted. Combien ont compris le message? How many have understood the coming of the cloud? Courir sans un message. Running without a message. Manque-nous le pass. Missing the word, the password. Je saute très vite. I'll jump on the level. Debout de la brèche. Standing in the bridge. Il a dit qu'il était monté sur la montagne. He said he went on a mountain. Arrivé à they got up there. Il me vit. They saw me. Ça c'est le songe. That's the dream. Le frère, the dream of Brother Robertson. Alors une voix sortit de la nuit. And then a voice came from the cloud. Maintenant le frère Branham est en train. Non, le frère Roy Robertson a vu le même scénario de Matthieu 17.